Et bon bah salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et on se retrouve aujourd'hui sur la suite. J'avais dit que j'en ferais pas, mais tout compte fait, je vais en faire. Je vais faire du Nintendo Switch. Alors j'ai fait une vidéo présentation de la Switch et mes ressentis. Et aujourd'hui on va commencer par un truc très important du DLC. Parce que moi j'ai fini le jeu complet, le mode histoire. Je suis en train de faire le deuxième DLC, mais je ne suis pas arrêté au premier DLC qui est avec. Il y a quelques petits trucs importants qui est quand même les épreuves de l'épée. Il y en a trois. Il y a les masques Korogu et tout. Il y a des trucs à faire et j'ai envie de. Je me dis pourquoi tu ne le ferais pas avec tes abonnés et en même temps, bah, ça peut toujours faire plaisir. En même temps, ils seront faits pour moi et pour vous, ça peut vous aider un petit peu s'il faut vraiment. Alors, j'ai fini avec mon téléphone, donc oui, j'ai une petite qualité un peu moins bonne, mais ça va quoi. Alors, il y aura sûrement deux vidéos, on se fera une petite pause. Une petite pause à la moitié de l'épreuve. Donc, je dis ça peut, c'est quoi l'épreuve? En fait, on démarre avec rien du tout. Tout va être retiré, stuff et tout, on démarrera avec rien. On sera en boxeur. Voilà. Et le but est de tuer des monstres pour débloquer des salles pour avancer et arriver à la fin. On aura des armes à notre disposition qui seront bien sûr lootables sur des mobs. Et nous aurons bien sûr de la nourriture qui sera un peu trouvable. Alors, je ne vais pas me cacher, j'ai déjà raté cette épreuve en vidéo. À partir de la deuxième partie, j'ai pas fait attention à ma vie. Je me suis dit, ouais, non, il pourra pas me tuer et tout. Mais en fait, si, il m'a tué. Donc, je vais faire attention. Et on va essayer d'y aller. C'est parti. Donc, je te soumets. Ouais, ok. Il faut que le temps qu'elle récupère sa force. Donc, le temps qu'elle récupère sa force, je vais faire une petite ellipse et je reviens tout de suite. Donc, voilà. L'épée va se remettre dans 15 secondes. Alors, en attendant, j'ai vite été chercher des petits cœurs. J'avais des emblèmes de triomphe. Donc, j'ai été chercher des petits cœurs. Alors, juste avant, je vais vite parler un petit peu pour la série. Oui, il y a effectivement une petite série sur Zelda. Mais c'est pas un let's play, j'ai déjà fini le jeu. Mais en fait, je dois finir avec vous des brawls en fait. Vraiment améliorer mes tenues, terminer les sanctuaires. Pourquoi pas une partie du deuxième DLC. Mais bon, j'ai déjà commencé vraiment plus de la moitié. Vous pouvez déjà le constater avec les pouvoirs à côté. Donc, j'ai mis Fa plus et Vanaboris plus. Il manque Vamedo et Rudania plus. Mais voilà. Alors, oui, il y aura bien sûr des petites vidéos. Bon, ben là, je tourne assez facilement chez ma grand-mère. Donc, mais elle n'est pas là, donc c'est simple. Donc, je peux tenir sur la grosse télé. Chez moi, j'essaierai de le faire, mais ça va être plus compliqué. Bon, allez, on est parti pour planter l'épée de légende. Et on est parti pour faire la première épreuve, l'épreuve basique de force. Alors, elle va nous procurer l'épée de légende avec 40 au lieu de 30. Donc, c'est vraiment c'est 10 de plus. Et après, ce sera 50 et 60. Donc, voilà. Donc voilà, épreuve basique de l'épée. Donc il nous faut bien sûr du bois. Donc on va essayer de les faire un par un. Ok, j'ai bien fait là. Il n'y en a qu'un seul qui est armé. C'est pas mal. Faudrait juste le buter d'abord les deux autres. Voilà. Enfin, il nous jette un peu des cailloux, hein. On sait pas encore. Très très grave. Donc, vas-y, fais ton attaque. T'es étourdi et maintenant je te frappe. Bon, voilà, c'était une épreuve. Il y a ces 15 paliers et à partir du 7e, on a un genre de micro-pause avec des tisas, enfin, des petites armes assez simples. Hop, on peut prendre la bouffe parce que ben, ça va servir, mine de rien. On va casser tout ça.
Voilà. Donc nous on fera sûrement une pause. Je séparerai la vidéo en deux parties. Et je mettrai tout ce qui est deuxième partie. Après le. Enfin, c'est pas vraiment un checkpoint parce que si on meurt, on recommence tout. Mais on recommencera sûrement. On recommencera sûrement à partir de la pause. On fera une ellipse. Alors, ici, je n'ai pas d'armes. On va se charger de ça. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de. Bon. J'ai perdu des cœurs, c'est pas grave, je fais ça. Et je viens de prendre toi. Pourquoi toi? Parce que toi, tu as une épée. Enfin, tu as un arc. Et l'arc, c'est assez dangereux. Mais par contre, toi, tu as une épée. Donc, le bouclier, je le prends. L'épée aussi. Voilà, parfait. Elle est où l'épée? T'as droppé où l'épée? Eh oh. Mon coco. J'ai besoin de ton épée. Bon. On va prendre toi. On récupère la batte beaucoup. Toi, t'as pas d'armes. Hop. Et toi, tu tires des flèches. Donc, on va aller te prendre toi. Hein. Bonjour. Voilà, non, t'as plus rien. T'es mort. Voilà, je te dis, t'es mort. Bon, voilà, deuxième épreuve, assez facile. Voilà. Alors, on va prendre les petits pots. Voilà, on a des flèches. On peut sortir, mais il y a sûrement des armes. Enfin, je sais qu'il y a des armes, hein, donc. On va les prendre, faut péter les deux trucs là. Voilà pour ouvrir le pont et pouvoir monter. J'ai perdu l'épée. Ah non, elle est là. Ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va. On récupère ceci. On récupère ça. Ça peut servir. Des flèches en bois. C'est génial. Et ben voilà, on a fait le tour. Le reste, il n'y a rien. Hein, donc voilà. Hop, on se téléporte et on va. À la suite, bonjour le petit chat. Le chat, bonjour. Tu vas te coucher, c'est ça? Ah oui, hein, je suis près du lit de maman. Oui, qui est ma grand-mère. Ok, bon, on entend peut-être avec sa petite clochette. Ok, bon. Alors, on va prendre nos petites. Un petit truc, hein, on peut s'en servir, ils sont là vraiment pour ça. Ah, je suis trop loin. Je suis trop loin, merde. Oh, je prends des cœurs. Bêtement. Voilà, on peut te casser, toi, t'es pas important. Il faut que j'en tue un ici, il y a un coffre. Voilà, toi viens, toi, toi et toi, 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 toi. Toi, toi, mon toi, 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 mon tout, mon toi, 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 mon toi. Allez, viens. Boum. Tu as déjà fait assez de dégâts comme ça. Non? Ah, non. Non, merde. Bon, pas grave. Les trucs, on s'en fout. Alors. Est-ce que tu vas. Ouais, merci. Et oh. Oh, j'ai raté de peu là. C'est pas grave. C'est pas grave. On va aller tuer toi là-bas. On va tuer toi. Voilà, bon, on a fini. Hop. Troisième niveau. On va enchaîner, hein. Il n'y a rien à ramasser, on peut se casser. On a beaucoup à ramasser dans tout ce qui est structure et tout, mais là non.
Alors là, on a une structure très intéressante. On va monter tout au-dessus. Parce que de 1, bon, on a un gars. Et de 2, on va pouvoir un peu les sniper. Oui, je connais un petit peu, donc... Allez, on se casse, c'est l'heure de faire dodo. Alors, on peut te tuer toi, parce que toi t'as un arc. D'habitude, je te re-one shot, hein, il faut que je tire la tête. Alors, toi. Ouh, juste à côté. Voilà, on les met vraiment très mal, si possible. Voilà. On prend un autre arc. Ok, toi t'as une épée et toi tu as ouais, une masse. On va descendre. Ok. Voilà, ouais, je t'ai pris ton arme. Toi c'est fait. Est-ce que j'ai une meilleure arme? J'ai ça. On peut prendre ton bouclier. Ouh, tu fais mal. Ouh, tu fais mal. En même temps, c'est une grosse arme. Donc, on va te calmer. Voilà, on te frappe un maximum. Et voilà. On prend les deux armes. Et on va remonter avec son arme qui est de 18, hein, qui ne déconne pas du tout. Voilà, bonjour. Il reste qui? Il reste toi. Et t'as quoi comme arme toi? T'as une épée de chevalier? Épée de chevalier de 14. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est génial. On n'a pas trop de difficultés. Là, on a pris cher parce que bah, il avait une arme de 18. Donc on a pris bien cher, mais... Dans l'ensemble, on s'en sort bien. Dans l'ensemble, on s'en sort bien. Un arc du voyageur. On a encore. Voilà, on prend tout, ça, tout va servir. Des noix, voilà. Des bananes. Des noix de coco, hein. Pas des noix Kurogu. Voilà. Ouais, là, on peut vraiment se casser. Alors, on va s'équiper correctement. On a ça qui est pas mal. On a ça qui est mieux. Et on va prendre l'épée. Parce que l'épée, on peut mettre le bouclier. Hop, on repart. Et on va au quatrième sous-sol. Quatrième ou cinquième déjà? Je sais pas. On est au cinquième. Ah ouais, là on a le broken. Mais... Ok. Voilà, viens toi. Viens te battre. Voilà, viens. On va vite te calmer. Voilà. Merci, t'es mort. On va récupérer ça. Il faut péter la lampe là-bas. Ainsi, ça va faire un petit kaboum. Comme ceci. Boum. Il y a beaucoup de monde qui est mort. Alors, on va s'occuper du premier. On recule. On attend que ça recharge. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai eu très mal. T'es mort? J'ai mal, hein. J'ai très très mal. Mais je pense qu'il m'en reste plus qu'un. Je pense que l'autre est mort de dégâts. Ouais, il en resterait plus qu'un. Il resterait plus que toi. On va prendre ça, hein. Voilà, tu vas mourir. On le sait et c'est gagné. Ouais. Ça c'est chaud. On va essayer de reprendre de la vie. Parce que là, on a pris cher, mais vraiment bien cher.
Ah, il nous a fait mal. Alors, ici, il y a plein de brawls. On va pouvoir prendre des brawls, des pommes. Ça va pouvoir nous régénérer sec. C'est pas mal. Parce que là, on a. Je sais ce qu'on a. Je sais ce qu'on va avoir. Parce que je l'ai déjà fait. Et vaut mieux se régénérer. Alors. On va se régénérer avec les plats déjà faits. Comme ceci. Voilà. Et on y va parce que là, ça va vraiment être assez chaud. Vous allez vraiment voir, ça va être assez chaud. Voilà. On a ça. On a un Litorok qui va déconner zéro. Donc, on va prendre une meilleure arme. Alors, celle-là. Pas glisser tout de suite. Allez, c'est parti, on lance la tornade. Ok, on n'a pas fait la tornade longtemps. On faut rester vraiment sur lui un maximum. Voilà, tant qu'on est sur lui, on risque rien. C'est quand on va être en dessous de lui qu'on va risquer. Donc, tant qu'on est là, on risque rien. Et on y va. On skate tout. Et voilà, c'était ce que je craignais. Ça vient d'arriver. On l'a surmonté facilement, donc ça va, faut pas tomber. On l'a surmonté facilement, donc ça va. On va essayer de pas perdre de dégâts ici. Franchement, on a géré. L'autre fois, quand j'avais. Enfin, il y a quelques heures, quand je l'avais fait, j'avais perdu plus de la moitié de ma vie parce qu'il m'avait sauté dessus. Enfin, il m'avait mis un bon coup de poing. Bon, là, typiquement, il n'y a complètement rien à prendre. Donc, on peut se casser. Donc, c'était vraiment assez chaud. Mais là, on arrive au checkpoint. Donc, on va pouvoir faire la pause. Mais je vais d'abord ouvrir les coffres avec vous et faire un peu de cuisine. Donc, là, on a quoi? On a un bouclier. On a le chat qui joue avec sa sonnette. Bonjour, Blanco. Un petit sabre, c'est pas mal. Et on a quoi dans ce coffre? On a une lance. Ok. On fait ça. On prend les flèches. On prend ça. On a du poulet. Oh, c'est pas mal. On peut prendre la torche, les champis. Ah, oh, j'ai oublié, il y avait une fée. La fée peut franchement nous aider, hein. Donc on va essayer de la prendre. Enfin, elle est partie, hein. On peut pas la prendre, mais on aurait dû essayer. J'ai pas pris le toit, hein. Donc voilà, on va prendre vite les perches. Voilà, on va vite prendre les perches d'Hyrule. Enfin, ouais, je pense que c'est ça, hein. Ah non, c'est les perches Armo. Ouais. On va. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Bon, il y en avait qu'à un endroit. Ouais, non. Semblait bien. On va faire un peu de cuisine. Donc, on va essayer de faire des plats intéressants. Avec ça. Tout d'abord, j'ai un peu plus que l'autre fois. On va se faire une chutney de fruits. Mais j'ai mis un champi et j'ai pas envie de casser. Ouais, assez de fruits champi, c'est pas mal, hein. On va se faire une vraie chutney de fruits comme ceci avec de la banane. Voilà, chutney de fruits. On va se vite faire ça avec de l'armo. On va se mettre un armo. On va mettre un champignon d'Hyrule avec. On va faire des gros plats. On va essayer de faire des gros plats. Voilà, là c'est cool. On a un peu plus d'armure. On va prendre toi. On va mettre du poulet. Et on va mettre une noix de coco. Et un champi lame. Voilà, on va se mettre ça. Et on va voir ce que ça va donner. Ça c'est. Oh, ça c'est parfait. C'est vraiment génial. Ça m'a quasiment 10 coeurs.
Et le reste, on va prendre ça, ça, et on va prendre un poisson. Voilà. Et ça nous donne ça qui est quand même pas trop mal, hein. On a envie de repartir, on a envie de prendre la noix de coco plus les deux lames. On termine. Qui nous donne ça? C'est vraiment pas trop mal. On a fait de la bonne cuisine, on a bien fait des bons mélanges. On aurait peut-être un peu plus optimisé, mais ça passe. Ça passe, on a quasiment un qui nous met toute notre vie. Même plus que notre vie, donc on va attendre, on va mettre genre ça pour régénérer la vie. Et ben on est pas mal, on est pas mal. Donc voilà, on se retrouve dans quelques jours pour faire ben, la deuxième partie de l'épreuve. Et on se dit à plus tard. Bye bye.